Bon bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler des blessures émotionnelles. Que sont les blessures émotionnelles? Le concept des 5 blessures de l'âme. Eh bien, il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et cela a initialement été mis en lumière dans les travaux de recherche d'un grand psychiatre américain, John Pierakos. Il a été le premier à les identifier, à les répertorier et à les observer, et surtout à faire le lien très important entre les blessures intérieures et l'apparence humaine. Ce sont de petits ou grands traumatismes, n'est-ce pas? Des expériences difficiles, douloureuses et parfois banales que nous avons vécues entre notre conception et l'âge de 6 ans environ, et qui ont laissé une forte empreinte qui nous fait surréagir lorsqu'elle se réveille en certaines situations. Ce sont en général, nos parents qui les ont involontairement, générés, mais eux-mêmes ont très souvent été blessés par leurs propres parents et ne font que reproduire ces schémas en toute inconscience. On ne doit pas leur en vouloir. Et cette chaîne de souffrance, blesse une génération après l'autre depuis les origines de l'humanité. En tous les cas, pour ma part, nous avons choisi nos parents avant de nous incarner. Pour différentes raisons, n'est-ce pas? Mais notamment parce qu'ils nous feront vivre certaines expériences diverses et variées, certaines difficiles, propres à réactiver ces blessures, ce qui est une première étape intéressante, n'est-ce pas? Pour les explorer et surtout, pour les dépasser, pour les transcender. Nous sommes revenus sur Terre pour transcender nos distorsions. Alors, si par exemple, dans vos différentes vies, vous aviez une blessure d'abandon, vous, c'est-à-dire votre âme, vous choisirez de vous réincarner dans une famille négligente, ou au moins avec des parents qui ne vous donneront pas toute l'affection et l'attention dont vous avez besoin pour vous construire. Ce faisant, vous vous trouverez dans les conditions idéales pour que cette blessure d'abandon se réveille à nouveau en vous, jusqu'à ce qu'un jour, vous décidiez de libérer ce rejet, cet abandon. Parce que vous allez être tellement fatigué de souffrir de cet abandon que vous allez travailler pour la libérer. Regardons maintenant les différentes blessures qui existent. Et pour cela, il peut être utile de noter les différentes caractéristiques des blessures qui résonnent en nous. Plus nous cernerons nos système, plus nous reprendrons pouvoir sur eux et plus ceux-ci perdront de leur puissance. Tout ça n'est pas facile, n'est-ce pas? Les blessures d'enfance représentent un sujet si vaste qu'un tome entier serait nécessaire pour parler d'une seule d'entre elles. Ici, je me contenterai
de vous donner une petite introduction de chaque blessure. Donc, il existe 5 grandes blessures. En 1, nous avons le rejet. En 2, l'abandon. En 3, l'humiliation. En 4, la trahison. Et en 5, l'injustice. En 1, la blessure de rejet, c'est la première. Elle survient entre le moment de la conception et la naissance. Elle touche les âmes qui considèrent, à tort ou à raison, qu'on ne les a pas réellement désirées. Parmi les cas courants, eh bien, on trouve des bébés non voulus, ceux issus d'avortements manqués ou dont les mères étaient malades pendant la grossesse. Et c'est ainsi que le rejeté va s'accrocher à cette fausse croyance « Je ne mérite pas la vie ». On imagine, n'est-ce pas, aisément, quelle sorte d'existence se construira cette personne ayant cette conviction. C'est douloureux d'avoir cette conviction. Nous avons en 2 la blessure d'abandon. Elle est générée entre la naissance et l'âge de 3 ans. Elle frappe les enfants considérant, à tort ou à raison encore une fois, n'avoir pas reçu tout l'amour, toute l'affection et l'attention dont ils avaient besoin pour leur développement. Notons que les blessures d'enfance sont quelque chose de très subjectif, n'est-ce pas? Bien des parents dispensent à leur enfant toute leur affection et pourtant, dans l'âme, ces derniers considèrent finalement en avoir manqué. Les enfants, voyant subitement arriver un petit frère ou une petite sœur, peuvent être touchés par une blessure d'abandon. Tout comme les enfants ayant été séparés de leur mère dans les 24 premières heures suivant la naissance, comme cela existe encore à la maternité. Nous avons en 3 la blessure d'humiliation. Et elle apparaît entre 6 mois et 3 ans aussi, c'est-à-dire lorsque les fonctions de l'enfant pour l'amener à plus d'autonomie apparaissent. L'enfant commence à vouloir manger seul, à marcher, etc. En fait, il prend conscience de ne pas faire qu'un avec sa maman, avec qui il était jusque-là, en fusion, on peut le dire, hein. La blessure commence lorsque, dans ce parcours vers l'autonomie, l'enfant, son corps ou une de ses fonctions n'ont pas été respectées. Alors, petit exemple, l'enfant commence à vouloir contrôler ses sphincters, mais il fait dans son pantalon et on le réprimande à cause de cela. Cela me fait penser à une maman qui racontait toujours fièrement que son fils était propre à seulement 6 mois. Cette maman l'avait contraint en l'habituant à faire ses besoins une fois sur son pot uniquement. Au bout du compte, cette personne est la seule de notre famille à souffrir d'une blessure d'humiliation, et ce, car son rythme naturel d'enfant, n'a tout simplement pas été respecté. On a en 4 la blessure de trahison. Elle apparaît entre 2 et 5 ans, l'étape où se développe le complexe d'Œdipe. À ce moment, l'enfant a une grande confiance en ses parents et il s'estime parfois trahi à l'arrivée d'un petit frère.
lors d'abus sexuels ou d'actes de violence. Une promesse importante à ses yeux, eh bien non, n'ont pas été tenues. Cela peut aussi générer ce type de blessure. Et nous avons la cinquième, la dernière, la blessure d'injustice, et elle se crée entre 4 et 6 ans et touche des enfants qui considèrent, à tort ou à raison, encore une fois, qu'on ne les a pas laissés être eux-mêmes. À la naissance d'un petit frère, on leur a, par exemple, demandé de faire moins de bruit, de prendre moins de place qu'auparavant, d'être un exemple pour le nouvel arrivé ou de prendre trop de responsabilités. En résumé, trop peu de place a été laissée à leur individualité pour s'exprimer. Cette blessure peut également être le fait de parents contrôlants, entre parenthèses, qui font du chantage ou qui menacent leurs enfants. On en croise parfois dans les parcs de jeux. Un enfant qui est en train de s'amuser et soudain, il demande quelque chose ou se met à pleurer et ses parents répondent quelque chose comme « si tu n'arrêtes pas de pleurer, on s'en va ». Adultes, ces enfants risquent fortement d'avoir des problèmes avec le plaisir, lequel est au cœur de leur blessure. Tout ça n'est pas facile à transcender, ces 5 blessures émotionnelles, n'est-ce pas? Eh bien voilà un petit résumé des 5 blessures émotionnelles. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle capsule. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.